Alors, bon, là il est 1h30 du matin et donc je suis à Osaka, pas très loin de la Chine, Osaka. Je suis debout parce que c'est l'effet du jet lag. Voilà. Et on est tous debout là, tous debout. Les enfants, ma femme, tous debout. Et là, donc, j'ai une mission, c'est trouver ça. Et c'est vendu par un combini, c'est le 7-Eleven. Alors là, ils sont pas vaches entre eux parce que je viens d'entrer dans un Lawson et ils m'ont dit non, allez là et puis vous allez trouver le combini 7-Eleven. Voilà, et puis j'espère que ça me permet de vous parler sans qu'il y ait de bruit avec le micro là. Parce que cet après-midi, je n'ai pas réussi à avoir un son correct. Donc là, je pense que ça doit mieux marcher. Donc je suis au Japon pour des raisons familiales. Je vais rencontrer ma belle famille au Japon, dans le sud du Japon. Donc on est arrivé à Osaka il y a 2 jours. Voilà. Donc un voyage qui nous a fait prendre l'avion pour aller à Taipei, puis après un deuxième avion entre Taipei et Osaka. C'est ce que j'ai trouvé de moins cher en fait, hein, tout simplement pour rallier le Japon. Parce que bon, ce genre de voyage en général avec les enfants, c'est pas des voyages en première classe. Hein. C'est qu'on est jeune, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dépenser ailleurs que dans l'avion. Donc on est un peu dans. On fait le voyage un peu en version bétaillère, quoi. Donc c'est assez physique quand même, hein, c'est pas rien. Mais bon, une fois qu'on y est, c'est bien. Et là j'y suis plusieurs semaines. Hein. C'est un grand moment de ma vie, un moment où je vais prendre du recul, je pense. Je ne vous ai pas montré un petit peu tout ce qui s'est passé sur ma ferme avant de partir. Hein. J'ai bossé énormément pour pouvoir m'extraire de la ferme autant de temps. Après, bon, c'est la période, c'est une période calme, hein, une période froide, donc c'est pas forcément gênant. Voilà, et puis donc je vais mettre pas mal de vidéos sur la chaîne, vous montrer un peu le Japon avec mon œil de maraîcher bio, de diététicien, de karatéka, et puis aussi de constructeur de maison, puisque bon, là à partir de février-mars 2025, je ne suis quasiment plus maraîcher, en fait je suis 100% autoconstructeur d'une maison. Et puis, ah oui, une des grosses raisons pour lesquelles je vais faire des vidéos là, je ne sais pas si elles resteront très longtemps, on verra. Mais c'est surtout parce qu'il y a ma fille, ma grande fille qui est restée avec sa maman en France, hein, puisque bon, elle est au collège. Et puis, il ne faut pas qu'elle loupe 6 semaines d'école. Bon, pour les enfants là, qui ont 2 ans, enfin presque 2 ans et un peu plus de 3 ans, ça pose moins de soucis. Quoi. Mais par contre, elle sera du prochain voyage. Ça, je lui ai promis. Donc, une fois que la maison sera bien avancée, qu'on sera dedans, dans 2-3 ans, on devrait faire à nouveau un voyage au Japon. Et j'aimerais bien par le Transsibérien, parce que l'avion, bon, c'est bien joli, mais bon, ça emmène plus de pétrole que de passagers. Et j'en suis bien conscient. Il y a un moment où il va falloir essayer de changer les choses. Donc j'espère que la guerre avec la Russie sera finie et puis que le Transsibérien fonctionnera bien à ce moment-là. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Bon, sinon, ce sera la lune. Hein. c'est bien, je suis content. J'arrive à faire une petite 3 minutes là, pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc là, c'est un peu particulier. Vous allez voir plein de vidéos arriver de moi au Japon. Voilà. Allez. Dans les projets que j'ai au Japon, là, j'ai amené mon kimono. J'espère rencontrer André Bertel. C'est un multi-champion, ancien champion kata combat de Nouvelle-Zélande et qui est le maître, qui suit le maître Asai. Il vit près de Oita, donc c'est sur l'île de Kyushu. Et en gros, c'est à 1 heure de voiture de mes beaux-parents, en fait. Donc, je vais essayer de le rencontrer. De ce que j'ai compris, parce que je le suis sur YouTube, il a fait un périple en Allemagne où il a fait des stages. Et là, il est en Afrique du Sud, a priori. Donc, peut-être que je ne sais pas, en fait, quand est-ce qu'il va revenir. Bon, j'espère que je vais le voir. Sinon, je verrai peut-être directement son maître, Maître Asai. Et donc ça sera l'occasion pour moi de remettre les pieds un peu dans le karaté.
Parce que bah d'ailleurs, très honnêtement, la dernière fois vraiment que j'ai mis le kimono, c'était au Japon, vraiment en 2018. Si j'ai eu aussi un petit retour sur le tatami cet été, à l'occasion d'un stage avec Hervé Delage. Mais j'ai pas fait beaucoup de karaté en dehors de quelques mouvements, par-ci par-là. Mais j'ai pas oublié grand-chose. J'ai envie de revivre un petit peu ça. Et puis je sens que j'ai envie de revenir sur le monde du karaté parce que c'est ça que je vais léguer à mes enfants. En tout cas, la partie japonaise que moi je peux leur enseigner, c'est le karaté. Leur maman leur enseignera tout le côté langage, tout le côté culture. Mais moi, le karaté, c'est quand même une partie très importante et c'est certainement la chose la plus fondamentale que je peux leur léguer. Donc il faut que je revienne à ça. Et donc j'ai pour projet, dès que je vois des temples un peu particuliers sur l'île de Kyushu, ou même peut-être ailleurs au Japon, ça dépend comment on va se déplacer, je vais faire des katas que je vais filmer. J'espère faire tous les katas du Shotokan. Hein, donc il y en a 33. Donc il pourrait y avoir 33 vidéos de lieux particuliers où je fais les katas du Shotokan. Ce serait une manière aussi sympathique pour que mes enfants plus tard ils se disent tiens, comment il faisait papa pour faire tel kata, ils regarderont. Donc c'est tout un programme. Donc derrière ça, je vais vous laisser quelques petites séquences du voyage. Alors surtout c'est l'arrivée avec Osaka, quoi, pour rendre compte un petit peu de l'ambiance qui règne ici. Et donc là oui, il doit être presque 2h du matin là, hein, et donc je subis à fond le jet lag. Nous subissons à fond le jet lag et donc là je suis en mission pour aller récupérer un soda à base de citron. Parce que j'ai mon fils qui vomit. C'est la seule chose qu'on peut faire a priori pour le soulager un petit peu. Allez, à bientôt. Voilà, je m'approche du but. Le 7-Eleven est dans ma ligne de mire. Voilà. Et donc là ouais, je suis toujours donc à Osaka. Je suis dans une espèce de grande avenue là que j'ai suivi là. C'est assez rigolo, je suis tombé sur un centre de mise en forme ouvert 24h/24. Et là à 2h du matin, il y en avait une sur le tapis en train de courir. Étonnant, Japon, étonnant. Alors, il y a Lawson, donc ça c'est. Et là il y a le 7-Eleven. Voilà, ça c'est le combini. Voilà, ouvert à 2h du matin. Voilà, est-ce que c'est ça? L'épilogue de la nuit, c'est que j'ai pas trouvé mon soda. Donc je vais aller dans les autres combini et puis essayer de trouver quelque chose d'équivalent. Finalement, j'ai demandé au vendeur du premier 7-Eleven, il m'a indiqué juste à côté qu'il y avait un autre 7-Eleven. Alors, on va tenter, voir ce qui s'y passe. Et voilà, c'est ce que je voulais, le yuzu. C'est bien ça. C'est bon. Ça me semble intéressant de vous montrer ça parce que peut-être les Japonais ils vivent vraiment dans des gros buildings au bord de gros boulevards et ils ont tous des systèmes de climatisation en fait. Voilà. Et c'est ce qui explique que le Japon en fait consomme plus d'énergie l'été en fait que l'hiver à cause de la climatisation. Ils ont un été pas facile à vivre aussi. Très chaud, très humide, donc c'est très difficile. En tout cas, on voit la hauteur des bâtiments. Voilà, ça c'est Osaka. Ouais. Tiens, regardez un petit peu cette boutique. Ça, c'est pour faire de la gym 24h/24. Alors, c'est gym et aussi machine à laver. Hein. Voilà. Et donc là, ouais, tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Là, je vais me faire trop voir, mais... Et voilà, il y a quelqu'un qui court dans le truc. Ouais.
J'aime bien faire mon voyeur un petit peu quand même sur la vie japonaise.